Donc ce soir, je vais faire mon petit soin que je fais généralement une fois par semaine ou tous les 3 jours. Donc à base de mon savon exfoliant au charbon de chez Naturel Nubians, ainsi que mon masque au curcuma, mon masque éclat au curcuma de chez Naturel Nubians toujours. Donc, vu que je fais pas un soin en profondeur, je vais juste utiliser une serviette et une petite débarbouillette que je vais chauffer avec de l'eau chaude pour ouvrir un peu les pores afin que les produits pénètrent bien dans ma peau, afin que l'effet soit que l'effet soit meilleur. Pour que les pores soient bien ouverts. Donc, après avoir posé votre savon nettoyant exfoliant, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un gommage parce que ce savon, en fait, il vous sert d'exfoliant. Donc, ça a la même action qu'un gommage. Voilà, donc il est exfoliant, donc il gomme, il va enlever les peaux mortes, voilà. Donc ça a le même effet exfoliant qui a le même effet que le gommage en fait. Donc c'est un savon gommant, entre parenthèses, on peut dire ça comme ça. Donc là j'ai ici posé déjà 3 minutes, je vais me nettoyer le visage. Bon, je peux passer directement à l'eau claire, hein, ou comme je peux utiliser ma serviette comme je vais faire. Mais vraiment bien nettoyer. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est des produits bio, ce sont des produits naturels. Donc, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de risque. C'est des produits non décapants. Du coup, c'est vraiment que l'éclat, ça ne vous décape pas la peau. Ça maintient votre teinte en l'embellissant, en fait. Donc, voilà. La peau qui brille, hein, la peau qui respire. Voilà, donc, je vais passer dans les coups. Avant d'appliquer. Normalement, le soir, je mets une huile sèche en fait. Pour que ma peau respire aussi bien pendant que je dors. Vraiment, pour ne pas obstruer mes pores. Donc voilà, tout est bon. Voilà. Disponible dans vos soins chez Eliam ou chez The Seven Coats, le salon de coiffure. Vous pouvez trouver ça là-bas. Voilà. J'ai fini avec donc là, je vais nettoyer mon visage comme tous les soirs, donc matin et soir, avant de me coucher toute la journée, j'ai transpiré. Ça, je peux le faire sous la douche aussi directement. Donc, je vais mettre dans mes mains, je vais finir ça. Hop. Hop. Il faut toujours faire attention quand vous massez le visage en fait. Parce que ces gestes-là, en fait, ils peuvent vous faire ralentir. La prise d'âge, enfin, ralentir le vieillissement, comme ça peut accélérer si vous faites le mauvais geste. Il faut vraiment faire le mouvement circulaire et dans le bon sens.
pas oublier le cou, surtout parce que le cou, en général, il vient beaucoup plus vite que le visage. Le cou a une peau très très sensible et très fine, donc il est moins circulaire. N'hésitez pas aussi à aller sur la douche. En fait, moi j'ai des mails partout là, sur ma poitrine. Bon, là, comme je ne veux pas mouiller mon peignoir, je fais comme ça. Et en général, quand je pose sur ma douche, la douche, je laisse agir 2-3 minutes le temps de me frotter le corps et après je rince. Donc, c'est le charbon. C'est le savon. Un savon exfoliant au charbon. Tout ce qu'il y a de plus naturel et anti. Qui n'est pas décapant en fait. Ça ne décape pas la peau. Donc je vais laisser agir 2 minutes. Et je vais retirer avec de l'eau chaude ou tiède. Mais de préférence de l'eau chaude. En pressant la vapeur. Enfin, qu'il y ait toujours de la vapeur, en fait, qu'il y ait toujours de la chaleur. Afin que le masque ou le gommage que vous allez poser après puisse bien pénétrer dans votre peau. Donc il va lutter contre les taches laissées par des boutons ou contre une hyperpigmentation. Donc voilà, donc c'est un anti-tache aussi. Donc voilà, j'ai retiré mon savon. Maintenant je vais utiliser mon masque que j'utilise au curcuma, que j'utilise à chaque soin. Et il vient avec son petit pinceau. Après, c'est votre petit pinceau. En plus, vous pouvez bien le transporter, il est tout petit. Voilà. Donc voilà, moi, mon gommage. Voilà, ça se présente comme ça, comme vous voyez. Il est déjà vraiment bien entamé. Voilà, il se présente comme ça. Donc je vais l'appliquer tout simplement. Je vais mouiller un peu. Je vais mouiller un peu mon pinceau. Et je l'applique sur mon visage. Je l'applique comme ça. Voilà. Je vais laisser. Je l'applique sur tout mon visage en évitant le contour des yeux, bien sûr. Nous savons que c'est très, très, très sensible. Il y a des soins spécifiques pour le contour des yeux, donc il vaudrait mieux les éviter. Donc quand je mets, je vais les laisser poser une vingtaine de minutes, en fait, le temps qu'ils sèchent. Ils sèchent un peu et que ça fasse effet. Voilà. Donc ce masque, quels sont les effets de ce masque? Ce masque est un anti-tache aussi, parce que vous savez, le curcuma, ça réduit les taches, ça donne un bon teint, donc du coup, ça unifie votre teint. C'est aussi un produit naturel, c'est une épice naturelle qu'on utilise d'ailleurs dans la gastronomie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Peut-être à part si vous avez des allergies au curcuma, mais... c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel. Tout ce qu'il y a de plus naturel. Et en plus, il est très facile à appliquer. Voilà. Donc, vos produits, en fait, vous pouvez les acheter chez nos distributeurs dans les différents pays que vous retrouverez sur nos pages officielles de Naturelle Nubian sous Belle Nubian. Ou achetez directement sur le site lutationcosmetics.com. Vous retrouvez tous les produits, vous retrouverez tous les produits sur ce site-là. Ou alors, vous pouvez aller directement sur nos distributeurs. Donc, pour avoir la liste de nos distributeurs, je répète, vous allez simplement sur nos pages Instagram, Facebook, Naturelle Nubian ou Belle Nubian pour commander. Moi, j'applique jusqu'au cou, hein, et je vous ai dit souvent sur la poitrine parce que durant ma grossesse, j'ai eu beaucoup de petits boutons. Enfin, après ma grossesse, quand le masque partait, j'ai eu beaucoup de petits boutons souvent sur le cou et quelques-uns sur ma poitrine. Du coup, ça m'avait laissé des taches. Donc, j'en mets souvent justement pour enlever ces taches-là. Donc, n'hésitez pas à aller jusque sur la poitrine. Donc voilà, je vais laisser agir pendant 20 minutes. Je peux m'allonger, je
Je peux discuter avec des amis pendant ce temps-là, je peux voir un verre. Voilà. Donc, une bonne routine de peau, c'est d'abord, avant de faire vos soins, c'est vraiment d'abord ce qu'on mange, ce qu'on consomme. Il y a des personnes qui sont, qui ont une facilité de manger tout ce qu'elles veulent et qui n'ont pas de répercussions sur leur peau, comme il y en a d'autres qui c'est le contraire en fait. Donc après, c'est d'abord une bonne hygiène de vie. Il faut boire beaucoup d'eau, vraiment pour hydrater la peau, parce que la peau ne s'hydrate pas seulement de l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur. Donc, une bonne alimentation, toujours boire beaucoup d'eau. Et comment dire, ensuite, moi, je fais mes soins deux fois par mois, donc tous les 15 jours, toutes les deux semaines, une fois toutes les deux semaines. Et en général, quand j'ai du temps comme ça, tous les trois jours, une fois par semaine, j'ai mon petit soin pour l'entretien que je fais comme ça, une fois par semaine. Tous les trois jours si j'ai le temps. Bon, en général, c'est une fois par semaine. Ça, c'est vraiment pour tout s'entretient, hein. Tout s'entretient. Donc voilà. Surtout si vous avez des problèmes récurrents. Parce que moi, quand vous me voyez aujourd'hui, je vous dis que j'ai pas beaucoup de problèmes de peau. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné que j'ai eu du mal à traiter. Et puis avec l'entretien quotidien comme ça, là, c'est vite parti avec les bons produits surtout. Donc n'hésitez pas à commander les produits sur le site Lutation Cosmetics. Donc, quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Donc là, je vais retirer le masque et je vais appliquer une crème hydratante. Et généralement, je la mets avec un sérum d'acide hyaluronique qui va venir raffermir ma peau, qui va servir d'anti-vieillissement. Mon masque est déjà sec. Voilà. Ouf. En fait, là, il faut que je dorme. Donc, j'ai un peu là qui n'a pas séché. Mais sinon là, c'est sec. Ça, il faut que je dorme parce que mon patient doit se lever. C'est que il faut que je dorme, je récupère. J'ai pas beaucoup dormi ces jours-ci. Donc, même processus. Hein. Par contre, là, je mets de l'eau tiède. Voilà. Pas froide, hein. Je mets de l'eau tiède parce que. Je plains à ce que ma crème hydratante, en fait, que je vais mettre après, pénètre dans ma peau. Voilà. Donc, les filles, une chose qui aide aussi contre les taches et les boutons, tout ça, et le vieillissement de la peau, c'est vraiment pour celles qui se maquillent beaucoup ou très peu, comme moi. Chaque fois que vous êtes maquillée, vraiment quand vous rentrez, même si vous êtes fatiguée, prenez vraiment la peine de vous démaquiller. C'est très très important. Parce que vous ne vous démaquillez pas, la peau, pendant votre sommeil, la peau ne respire pas. La peau absorbe tout ce que vous avez mis, toutes ces matières-là que vous avez mis sur votre peau. La peau étouffe, du coup, ça crée du sébum, ça crée des excès de sébum dans vos pores. Les répercussions sont que les boutons. Après les boutons, les taches. Voilà. Après les boutons, les taches. Donc, toujours vous démaquillez. Toujours. Faites effort, quand même. Faites effort. Mes deux produits phares de ce soir. Donc, c'est le Turmeric Brightening Face Mask et le Exfoliating Charcoal. Donc le savon nettoyant exfoliant au charbon et le masque au curcuma, le masque éclatant au curcuma. Donc je vous ai donné les liens pour commander en ligne. Donc on livre partout dans le monde ou alors vous rendez directement chez nos distributeurs dans vos différents pays ou les différentes villes. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ces quelques petits conseils vous ont été utiles. Et moi, je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous.